Bien ou quoi le gang, c'est Nation, et là j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, jusqu'au haut de mon crâne. Tu peux le ressentir à travers la vidéo, à travers ma voix. Il y a un mec qui nous a sorti un truc là, un modeur, donc là aujourd'hui c'est pas les bases, etc. On va les continuer, hein, j'en ai encore plein des vidéos sur les bases, vous inquiétez pas. Mais là je me devais de vous présenter cette nouvelle collection de voitures qu'un modeur vient de nous faire. Il nous a sorti un truc là, tu peux pas faire plus heureux que moi en fait, parce qu'il a fusionné Need for Speed et Cyberpunk pour nous donner une collection complète de voitures customisées à partir de Need for Speed Unbound, le dernier Need for Speed auquel je joue actuellement. Et regarde, je te montre un petit avant-goût dans mes voitures. Attention, boum! Est-ce que tu vois cette collection de Quadra Turbo, Legendary Custom, qui vient de Need for Speed? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 nouvelles voitures. Et devine quoi? Si tu les vois ici, c'est évidemment que je les ai toutes. J'ai fait l'effort pour la vidéo de prendre les 16, mais dans ma partie normale, je pense pas garder les 16. J'ai des préférences et tout, donc voilà. Mais elles sont toutes magnifiques et elles sont toutes juste derrière moi. On va faire deux jours comme deux nuits pour bien vous montrer un petit peu la beauté des trucs. 3, 2, 1, boum! Est-ce que t'es pas en train de jouir des yeux sans déconner si t'aimes les voitures ou pas? Franchement, c'est pas trop beau. C'est une nouvelle Quadra, donc Legendary Custom. Ça vient d'une customisation de Need for Speed Unbound. Il a pris différents kits de carrosserie pour les implanter sur la Quadra. Donc de base, c'est une Quadra Turbo RVTEC. Non, même pas. C'est pas la Turbo RVTEC, c'est la normale. Comment elle s'appelle déjà? La Turbo R740. Ouais, je pense que c'est plus repris sur la Turbo R740 que la VTEC. Mais dans tous les cas, c'est un nouveau véhicule. Et franchement, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Hein. Je ne pense pas que les développeurs du jeu eux-mêmes, CD Projekt, va faire mieux que ça. Parce que dans Phantom Liberty, on aura des nouveaux véhicules, on le sait. Ce sera le tout dernier DLC. Après, il n'y aura plus jamais de nouveautés, donc plus jamais de véhicules. Autrement dit, Phantom Liberty est la dernière chance de CD Projekt pour nous envoyer du lourd en véhicule. Et je le dis sans avoir peur, ils ne feront pas mieux que ces modeurs-là. Les modeurs sont vraiment meilleurs en ce qui concerne les véhicules et la customisation. Ce qu'on attendait des développeurs eux-mêmes à la sortie du jeu, c'est d'avoir des garages pour customiser ces voitures nous-mêmes. On ne l'a pas eu et on ne l'aura jamais. Et je pense qu'au vu des trailers, les véhicules qu'on aura ne seront pas du tout incroyables. Ils seront basiques, tu vois, on sera content, on aura des nouveaux véhicules. Mais ils seront pas du tout à la hauteur de ça. Regardez la qualité de ces véhicules. Donc ce sont tous les mêmes modèles, hein, bien sûr. Au vu du nom, vous l'aurez deviné. Et au vu aussi des kits de carrosserie. Mais c'est juste les coloris qui changent. Donc là, en plus de la qualité de fou que je vais vous montrer juste après, parce qu'on a une maniabilité avec un moteur et tout spécialisé exprès pour ces véhicules-là, ce ne sont pas des moteurs de Quadra, Turbo RVTEC ou Turbo basique. Elles n'ont pas la même maniabilité, la même accel, la même puissance max. Tout est modifié. Quand on la scanne, c'est écrit Quadra Turbo Legendary Custom. Année de production, 2058. C'est écrit dans le mode aussi que c'est une Quadra de 2058. 960 chevaux. 1540 kg, et là une description personnalisée faite par le modeur. La voiture par excellence des street racers, donc des mecs qui font des courses de rue. Cette fois-ci équipée d'un très rare et très cher body kit, donc kit de carrosserie. Normalement c'est pareil pour tout, hein, 960, 900, voilà. Elle est magnifique, regardez-moi ça, le kit de carrosserie, il est incroyable. Je comprends pourquoi il dit Need for Speed, parce que oui, je reconnais, effectivement. Ce genre de gros aileron attaché avec les diffuseurs arrière, je reconnais à mort. On va aussi aller voir de nuit parce que vous allez voir qu'il y a certains modèles de nuit, c'est pas mal du tout. Et puis les conduire un peu évidemment. Mais voilà, je le dis, merci à tous ces modeurs qui font ce genre de véhicule qu'on n'aura jamais dans le jeu normal. Ce qui est bien triste. Tu vois GTA, je suis obligé de comparer à GTA à chaque fois, mais GTA, il est sorti en 2013. On nous proposait déjà un max de véhicules avec un max de customisation. Dans Cyberpunk, il y a très peu de véhicules dans le jeu normal, très peu de modèles. Qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre un peu de customisation dans un DLC? Même à la sortie du jeu de base. Ils ont peut-être pas eu le temps, etc. à la sortie du jeu de base. Mais là, en travaillant dans les DLC, ils auraient pu. Ça se trouve, dans Phantom Liberty, il y aura ça. Mais même si, voilà, ça m'étonnerait. Voilà, qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre un peu de custom? Dans GTA, on peut tellement custom de véhicules. Et puis, il y a tellement de choix. Au bout de 10 ans, maintenant, il y a trop plein de véhicules. Là, sur bientôt 3 ans, on a eu un seul véhicule. C'est la Bandit. Même si je sais qu'ils ont été débordés par rapport au fixe de bugs, etc., la stabilisation du jeu, ça reste quand même une bonne déception en ce qui concerne les nouveautés et le développement du jeu
après sa sortie. On nous a sorti le jeu à 30% fini, à peu près. Et 3 ans plus tard, il est jouable, il est beau, il est agréable à jouer. Mais on n'a pas les 70% restants qui devaient sortir en fait. Ce qui fait que les modeurs s'en chargent. Tout ce que tu peux voir d'intéressant, ce sont les modeurs qui le font. Et ils ne travaillent pas pour CD Projekt. Je suis obligé de faire ce constat hein, quand je vois la qualité des mods. Regardez ça, sans déconner, c'est juste magnifique. Et puis en plus, ça fait partie de toutes mes autres voitures. J'ai trop plein de véhicules qui viennent des modeurs. La plupart même de mes véhicules, ils viennent des modeurs. J'ai même plus beaucoup de véhicules du jeu de base. Tellement le jeu de base est assez insignifiant, il est assez vide, tu vois. Heureusement qu'on a la beauté du jeu et l'histoire pour rattraper tout ça. Ce vide intersidéral. Allez, revenons au mode maintenant. T'as 16 modèles, tu peux avoir les 16 en même temps ou choisir ce que tu veux, peu importe. Nous, on va se mettre de nuit, voilà. Et on va tout de suite remarquer certains modèles qui diffèrent des autres. Comme par exemple, elle, on peut voir. Hein. On a en fait la customisation des Tiger Claws sur certains modèles. C'est pour ça que c'est pas basé sur une Turbo R VTEC, mais sur la Turbo R normale, puisque la Turbo R normale dans le jeu, elle a des variantes de Tiger Claws. Et les variantes de Tiger Claws, elles ont des néons sur les vitres et sous le véhicule. Donc celle-ci a des néons sur les vitres, sous le véhicule aussi. Celle-ci aussi, parce que c'est une Tiger Claws. Ces deux-là aussi, celle-là aussi et celle-là aussi. Elles sont juste vraiment trop trop belles. Et je vais en prendre une, par exemple celle-là. Les néons sous le véhicule. Regardez l'allumage avec le gros spoiler qui va sur le diffuseur arrière. Ça coupe la bande de LED et ça fait trop stylé. Évidemment, le kit de carrosserie, j'ai oublié de préciser, mais il fait pare-choc avant, bas de caisse, pare-choc arrière, ou plutôt diffuseur arrière relié au gros spoiler. Jantes, il fait les jantes. Hein. On peut voir que les jantes avant et arrière ne sont pas les mêmes. Et ça se trouve, j'ai loupé d'autres détails, mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai tout dit. En ce qui concerne l'intérieur, il n'y a rien de spécial normalement. L'intérieur, bah tiens, comme ça on pourra faire la comparaison aussi. Je vais prendre une Quadra normale, Turbo R normale à moi. La R700, moi j'en ai une des Tiger Claws modée. Donc évidemment, elle sera comme ça, voilà. On voit tout de suite la diff, hein. Et on va la mettre à côté. On va se remettre deux jours vite fait aussi pour faire la comparaison. Alors, j'ai pris normalement les deux mêmes, hein, on est d'accord. Oui, ce sont les deux mêmes. Ok. À gauche, Vanilla, à droite, la modée. Donc, pare-choc avant, avec... c'est même pas un pare-choc, hein, c'est plus le pare-choc a été retiré pour mettre des diffuseurs, en fait, à l'avant plutôt. Comme dans Need for Speed Unbound, hein, tu peux retirer les pare-chocs et mettre juste des diffuseurs pour faire aérer le moteur et faire un peu plus d'aérodynamisme dans certains cas. Du coup, je pense que c'est plus, ouais, voilà, c'est plus ça. Évidemment, les roues, donc là, on peut voir tout de suite la différence. Les roues avant ont été changées, les pneus ont changé, les jantes ont changé. En fait, toute la roue entière a changé. Le passage de roue, ici, manque, alors que sur le nouveau kit, il y est. Sur le capot, on peut voir qu'il y a des prises d'air sur le capot et qu'il n'y en a pas sur la Vanilla. Ok, c'est intéressant à savoir. En ce qui concerne le reste du haut, c'est pareil. Bas de caisse, on peut voir qu'à droite, il n'y en a pas, tout simplement. Et qu'à gauche, il y en a un gros qui fait, voilà, qui touche quasiment le sol. Elle est très rabaissée, hein, la modée. Ensuite, bah, à l'arrière, flagrant de ouf, évidemment. On a retiré le pare-choc arrière pour mettre un gros diffuseur. Ce qui fait qu'on voit un peu tout ce qui est échappement. Relié à un gros aileron de malade mental. Et à droite, évidemment, il n'y a rien. On a aussi des genres d'arceaux, des barres de sécurité ici collées à la vitre arrière, alors qu'il n'y en a pas à droite sur la Vanilla. Les rétros sont les mêmes. Ah, les jantes arrière. Les jantes arrière de la modée sont magnifiques. Des grosses jantes qui sont internes. Ah bah, jantes internes aussi à droite, mais des jantes moins belles, tout simplement. Il y a toujours les 4 sorties d'échappement identiques. Hein. On voit les 4 ici, et là aussi, il y a les 4. Ah, elle est très très rabaissée. Du coup, l'intérieur, c'est à la base ce qui m'intriguait. Donc l'intérieur de la modée, ça donne ça, avec écrit Quadra devant, ce type de volant-là. Et je crois que ça n'a pas changé comparé à l'autre, on va aller voir. Oui, c'est pareil, hein, on est d'accord. C'est pareil. L'intérieur est identique. Ok, il n'a pas changé l'intérieur. Ce qui n'est pas... Voilà, on s'en fout en vrai. Hein. Vraiment, c'est vraiment l'extérieur qui compte pour le coup. D'autant plus que l'intérieur était déjà très beau, en fait. Il n'y avait pas besoin de le changer. Est-ce qu'on peut ouvrir ? On peut ouvrir, fais voir. Ok. Ça donne quoi? C'est pareil. Hein. Ah, par contre. Ah, fais voir ça. Le capot de la normale. Regardez, vous vous rappelez les deux sorties, enfin les deux prises d'air sur le capot?
là, qu'elle n'a pas en Vanilla, et bien du coup, quand tu ouvres le capot du coffre, il n'y a rien, c'est un capot normal, mais par contre, elle, tu les ouvres et il y a bien les deux trous pour les prises d'air qui sont prévues. Le modeur a prévu ça aussi, c'est excellent. Et ça, donc le capot moteur à l'arrière, est-ce qu'il y aura une différence? Oui, juste les deux barres de sécurité, les deux genres d'arceaux à gauche comparé à droite. Sinon, c'est identique, il me semble. Ouais. Ah, et puis on a écrit Quadra ici. C'est écrit Quadra, alors que là, c'est pas écrit Quadra. Ah, et là, c'est écrit Turbo R. Ah, c'est une VTEC. Ça a été. Là, parce que là, c'est pas écrit. Ah, c'est repris sur une Turbo R VTEC, les gars. Et pas sur une normale, parce que là, c'est écrit Turbo R VTEC. Du coup, je vais ramener ma VTEC. Il faut comparer avec la VTEC. Comme ça, on aura comparé avec les trois. Ma VTEC est modée, c'est vrai, j'avais oublié, mais ça devrait le faire. Parce que je crois que l'esthétique, à part les roues, ouais, c'est que les roues, voilà, je me rappelle, c'est que les roues qui avaient changé. Sinon, c'est le coloris, et ça, c'est pas grave. Donc le kit de carrosserie est bien celui de la VTEC normale, si on compte pas les roues. Je vais pouvoir comparer. Ok, là, du coup, on compare les trois, et donc au milieu, on a la modée, à gauche, la VTEC, à droite, la normale. Et là, du coup, on remarque un truc, les arceaux à l'arrière qui y sont aussi. Ah. Et aussi, bah oui, eh, j'aurais dû comparer avec elle dès le départ, les gars. Parce que là, on a aussi les sorties d'échappement en dessous, là, visibles, comme pour la modée. Tu vois, on voit les échappements, mais sauf qu'à droite, il y a un diffuseur qui a été rajouté. Et ouais, et puis là, on voit bien écrit Turbo R. Je vois pas écrit le VTEC, mais ça, c'est parce que c'est ma peinture, je crois. Et c'est pas écrit Quadra non plus, tiens. Ça doit être ma peinture, ça. En ce qui concerne l'avant, si on doit comparer. Ah, il y a les deux prises. Il y a les deux prises d'air du capot. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur, les gars. Pardonnez-moi. J'espère que vous me pardonnerez. C'est pas du tout le modeur qui a fait les prises d'air avec le capot. Ça, c'est déjà dans le jeu de base. J'avais complètement oublié, regardez. J'ai ouvert. Et du coup, la RVTEC, la Turbo RVTEC, elle a déjà ses prises d'air avec le capot troué. Donc le modeur n'a rien à voir avec le capot. Le modeur a juste fait tout ce qui est diffuseur avant-arrière, bas de caisse et aileron. Il n'a pas touché au capot. Et roue bien sûr, hein, il a fait les roues. Ok, d'accord. Donc ça c'était my bad, c'était mon erreur. Sinon tout ce qu'on a dit avant, à part ça, à part le capot, c'était bon, hein. Et les arceaux bien sûr qui font partie de la RVTEC. Mais qu'est-ce qu'elle est rabaissée par contre la modée? On va aller faire un tour, hein. Je pense que c'est le moment. Déjà 2 jours, un petit tour 2 jours. Et après, de nuit, avec un modèle qui s'allume de nuit. Donc on va prendre... Elle est belle celle-là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est grave belle celle-là. J'avais jamais vu ce genre de peinture avant. J'adore la blanche aussi. Très très belle. Celle-là aussi, elle est belle. En vrai, je les kiffe toutes. Hein. J'aime beaucoup ces deux-là. J'aime beaucoup... Pouah, celle-là, elle tue. C'est toutes les Tiger Claws de nuit, elles tuent. Je vous propose de faire un tour avec celle-là parce que c'est la plus spéciale au niveau de la peinture. Let's go. Les couleurs intérieures changent hein, en fonction de la peinture que vous avez choisie. Par exemple, celle-là, l'intérieur est blanc. Alors que la noire qui est derrière moi, l'intérieur est noir-rouge. Tu vois? Ça, c'est quelque chose quand même à préciser. Ah, la grise là-bas, là, juste deux fois devant moi, là, elle est trop trop belle. Incroyable. Allez, on va faire un petit tour. Est-ce que je peux mettre la caméra proche? J'aime bien la caméra proche, mais pour le coup, le kit est tellement gros qu'on voit pas très bien. Donc, on va mettre la caméra éloignée. Alors, voici le bruit du moteur. C'est un bruit de moteur qu'on connaît, je crois qu'on connaît, qui fait partie d'un véhicule dans le jeu de base. Mais j'arrive pas à me rappeler. Tiens, c'est bizarre. J'arrive pas à me remémorer c'est quel véhicule. Bref, je peux vous dire quelque chose, c'est qu'elle a une sacrée accélération. Et on va tester sa vitesse max, parce que du coup c'est quelque chose à voir quand même. L'accel n'est pas aussi cheaté qu'une Outlaw par exemple. Ou qu'une Bandit, etc. C'est plus... Après quand tu montes un peu dans les tours... En montant en régime, ça commence à envoyer du lourd. Tu sens que ça a de la patate. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir une voiture ultra puissante, tu vois. Dans ce jeu, je le répète, la sensation de vitesse n'est pas très bien faite. C'est pas très agréable de rouler à une super grande vitesse. Parce que tu ressens pas cette vitesse, t'as pas l'impression d'aller vite. T'as l'impression de te déplacer lentement.
et que le paysage autour ne défile pas assez vite. Donc on n'a pas besoin de véhicules surpuissants dans ce jeu. Surtout que tout est misé sur l'esthétique, donc on a plus besoin de rouler à une vitesse moyenne ou lente pour admirer les paysages. Donc c'est pas grave, on n'a pas besoin de battre des vitesses records à chaque fois. Mais elle est déjà très rapide. Et aussi, un autre point, c'est qu'elle se manie très très bien, elle accroche grave la route. Alors est-ce que c'est parce que je n'ai plus la pluie dans mon jeu, du coup les routes ne glissent pas? Ou c'est parce que la maniabilité est déjà hyper bonne de base? Je sais pas du tout, mais elle se conduit très très bien. Même, elle est rabaissée, mais les roues ne clipent pas à travers la carrosserie. Regardez, d'habitude, ça clipe à travers la carrosserie, les roues avant, tellement c'est rabaissé, mais là, non. Faudrait se prendre une bosse, en fait, pour voir les roues clipper, je pense. Tiens, là-bas, je vois une ligne droite, on va pouvoir tester. Je continue de monter, mais attends, je continue de monter. Je vais peut-être être plus rapide que la McLaren F1, là, il faut que je me rappelle. Je crois que je vais reprendre la F1, là, pour voir. Parce que je me rappelle plus, c'était quoi sa vitesse max. Je sais qu'on dépassait les 400 km/h, mais là on est en MPH. Ok, sur du plat, je bloque à peu près à 270, et en descente, j'arrive à atteindre 275 à peu près, 260... Ouais. On va dire que sur du plat, je suis à 270 de moyenne. Je vais aller voir, ça fait combien de km/h? 434 km/h! Mais attends, c'est peut-être la nouvelle meilleure voiture là. Je vais appeler ma McLaren, il faut que j'appelle ma McLaren, il faut que je fasse le test. Voilà, le monstre arrive. Je sais que la McLaren a plus d'accélération. Mais après, peut-être qu'en vitesse max, ça se joue. Hein. Bolide versus bolide. Qui remportera ce combat? Je vais aller prendre la ligne droite là-haut, là, en élan. C'est parti, on doit battre 270 mph ou faire pareil. Sinon, la nouvelle meilleure voiture du jeu, en comptant les modes, sera cette nouvelle Quadra modée. Et je crois qu'on va pas réussir, mais c'est incroyable. Je suis en descente et j'arrive même pas à atteindre 265. Oh, c'est un truc de fou. 265 en descente. Je suis au max, je peux pas faire plus. 266. J'ai fait 266 en descente, alors que la nouvelle Quadra fait 270 sur du plat et en descente 275. Waouh, c'est un truc de fou. Donc, la McLaren vient d'être détrônée par ce nouveau véhicule. Et j'ai parlé trop vite tout à l'heure, je disais ouais, il n'y a pas besoin de trop de puissance, c'est pas grave. Et ben et ben elle est overpowered, elle est trop puissante, la nouvelle Quadra Turbo RVTEC Legendary Custom. Ouais, en plus je suis con, tout à l'heure je compare avec la Turbo R normale, mais en fait c'est bien écrit Turbo RVTEC dans le l'image. J'avais pas lu l'image, tu vois, le logo du véhicule, j'avais juste lu le nom. On va retourner à ma sauvegarde où j'ai fait une sauvegarde où il y avait tous les véhicules. De retour en pleine nuit, et on va se prendre une des Tiger Claws, et laquelle, honnêtement, elles sont toutes très stylées, hein. Je sais pas trop laquelle prendre. Alors on va se prendre la rouge qui n'a pas de bande, parce qu'en fait il y a deux rouges. Tu as celle-là avec les définitions noires, des bandes noires et tout, et tu as la rouge comme ça, sans bande noire et tout. On va prendre celle-là, et c'est juste magnifique. Putain, c'est vraiment réussi. J'ai pas trouvé de bug ou de défaut encore sur ce véhicule. Et quand tu sors un véhicule, normalement, c'est... Bah voilà, tu trouves tout de suite un truc qui va pas normalement. Mais là, j'ai rien trouvé. C'est juste magnifique. On va faire un petit tour. Et je sais que les joueurs console, ça les rend un peu tristes de voir ce genre de choses. Parce que je reçois des messages de temps en temps. Je suis deck, je suis sur console, je peux pas avoir ce véhicule et tout. Je sais, les gars, je sais, c'est pour ça. Je suis confiant en disant que les modeurs font un meilleur taf que les développeurs eux-mêmes, dans le sens où je suis sûr que les nouveaux véhicules dans Phantom Liberty ne seront pas fous. Ce seront des véhicules normaux, tu vois. Et puis des véhicules que tu ne peux pas modifier. On n'aura pas ce côté tuning futuriste, ou rétro-futuriste même, parce que c'est un petit peu du tuning rétro qu'on voit sur ce véhicule. On n'aura pas tout ça. Ce seront des véhicules, voilà, qui seront comme ça, terminés, et puis ils seront pas fabuleux, et tu te démerdes avec ça, quoi. C'est pour ça que les modeurs, ils font un travail remarquable, et il faut les présenter, tu vois, il faut les mettre en avant, peu importe, même si tu joues sur console, et que tu ne peux pas tester leur mode, faut savoir apprécier ce qu'ils font. Je n'ai plus la pluie, etc., mais je suppose que, bon, là, par exemple, on est sur une rue mouillée, je suppose qu'avec la pluie, le rendu sera beau aussi, hein, sur la voiture, sur la carrosserie. Tiens, on va s'arrêter dans cette rue, en face d'une hôtel-motel que je trouve particulièrement belle. C'est une de mes rues préférées, parce qu'elle est vraiment éclairée de partout avec différentes couleurs, avec des flaques au sol énormes, c'est ce qui rend le mieux avec le ray tracing comme ça, là. Et on va s'arrêter là.
La vidéo a été longue pour une présentation de voiture, mais là vraiment c'était un énorme kiff. J'ai été obligé. J'espère que vous avez kiffé comme moi, peu importe si tu peux la jouer ou non, que le visuel, voilà, t'a fait plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas à aller lâcher un petit like sur la page Nexus du modeur, le lien est en description. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe. Salut. Ensemble on forme tous une action.